Bien le bonjour tout le monde! Ah, ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi déjà j'étais pas là récemment. C'est parce que j'ai changé de PC et bah, j'ai changé, comme vous pouvez le voir à la qualité de la vidéo, j'ai changé de boîtier d'acquisition. Je suis passé sur un HD PVR maintenant. Et j'avais aussi un problème avec mon casque, donc j'ai revendu mon Astro et je suis passé sur un Triton Gear of War 7.1. Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour une petite démo. Et j'ai vu la démo de Tony Hawk's Pro Skater HD. Ah, je me suis dit ça, moi grand fan de Tony Hawk depuis qu'il est sorti sur PlayStation 1, je me suis dit je peux pas passer à côté de ce truc. Donc du coup, je pense que on devrait pouvoir faire quelque chose de bien. J'ai vu un petit peu les détails, donc ils reprennent des vidéos, des niveaux de Tony Hawk Pro Skater 1 et du 2, remasterisé bien sûr en HD, hein, comme vous pouvez le voir. Ceux qui connaissent un petit peu les niveaux reconnaîtront certainement les différents niveaux, quoi. Remasterisé ou pas, ah, ce niveau magnifique. Moi j'ai surtout joué au 1, le 2 je ne le connais pas tellement, mais ça me permettra de redécouvrir, enfin, de découvrir plutôt des nouvelles maps. Donc bah, on va se retrouver tout de suite après le téléchargement, parce que je vais pas vous faire poireauter plus longtemps. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc sur Tony Hawk Pro Skater HD avec tout de suite une mise à jour. Alors là, c'est magnifique quand même. Je viens juste de télécharger le jeu, hein. D'accord. Et j'arrive quand même à avoir une mise à jour. À croire qu'ils incluent pas les mises à jour des jeux sur les téléchargements. C'est bizarre en fait. Je comprends pas leur mentalité là-dessus. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une petite mise à jour quand même, de 24 mémos, hein, mise à jour quand même plus grande que pour un Call of Duty, faut l'avouer, alors que c'est un jeu arcade. Et ça, faut le souligner. Donc voilà, bon, on va peut-être enfin pouvoir commencer à jouer à ce jeu, en espérant que ça arrive, développé par Activision. Ok, ouais, bon, c'est normal. Donc. Allez, avec la petite musique qui va bien pour se mettre dans l'ambiance. En plus, l'objectif pour obtenir. Bon, ce sera qu'une démo, bien sûr. Là, en ce moment, j'ai pas tellement de sous à mettre pour à mettre dans le jeu. Ouais, je commence bien, c'est cool ça. Oh là 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 là. Faut que je m'y remette. Hein. Ok, c'est Y pour slider. Faudrait peut-être aussi le préciser. Alors, les buts, il y a différentes lettres à ramasser, hein, comme vous pouvez le voir. Le skate, toutes les lettres à ramasser. Il y a aussi des billets à prendre. Tac. De l'argent. Si je me rappelle bien, attendez. Bon, ce niveau, je le connais. Et là, le DVD là-haut. Ouais, je me suis cassé la tête. Allez, c'est parti. Ensuite. Par contre, je peux toujours pas. What the fuck? Ah, ouais, ok.
Bon, vidéo très courte sur Tony Hawk Pro Skater. Alors là, je crois que c'est la pire démo que j'ai pu faire pour l'instant. Pourquoi? Bah, parce que déjà, une démo, ok, bon, à la limite, on aurait pu penser qu'il nous laisserait un niveau au moins tout seul, comme ça, à faire comme on veut. Bah non, même pas. On a 2 minutes de démo. Alors, si on pouvait le noter sur le Xbox Live, ce que je vais faire, je vais pas les faire dans acheter jeu complet. Je vais aller le faire devant vous, hein, parce que bon, faut quand même inciter les développeurs à comment dire, inciter les développeurs à faire des choses bien. Et la première chose à faire, c'est de voter un jeu quand on l'a téléchargé. Donc actuellement, là, je vais le faire tout de suite. En parlant, merci aux abonnés qui me suivent, hein, bien sûr. J'ai pas eu de retour sur mon premier hors série que j'ai fait, que je vous inviterai à le voir, sur un tuto pour jailbreaker son iPod et pour booster le volume. Si vous vouliez d'autres tutos ou vous avez des jeux en particulier que vous voulez tester, que vous aussi vous du coup vous cherchez un petit peu des jeux originaux, bah, je vous invite à me donner quelques noms si vous voulez que je teste ce jeu. Et puis votre jeu sera sur ma chaîne après uploadé. Si vous avez une vidéo d'un test que vous avez fait, que vous voulez, bah, je vais mettre 2 étoiles, hein, pour voilà, à cause de la démo, tout simplement. Donc, si vous avez des vidéos de jeux originaux que vous avez testés et que vous voulez me les faire partager, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant. Il sera encore dans la description. Et puis, je regarderai la vidéo. Et puis, si ça vous plaît, mettez-moi un lien Mediafire, Free, enfin, ce que vous voulez. Un lien pour le télécharger et puis je l'uploaderai avec le lien de votre chaîne bien sûr. Bon bah sur ce je vous dis une bonne journée et puis on se retrouve bientôt que maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bonsoir.